thank you Bonjour, c'est solidaire d'abord. Bonjour. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité de marque, Oh, de Marc. Alain, Alain qui est déjà venu plusieurs fois dans cette émission. En fait, parce que tu as été élu, Alain Lacoste. Hein J'ai été élu euh, six ans. Oui. Oui comme maire de saint julien du serre Voilà. Et notre, notre émission aujourd'hui, euh, on essaye de prendre les devants. Euh, six mois avant euh, l'élection présidentielle, on va parler de qu'est-ce que c'est une élection. Alors mmh. tu disais un mot très connu hein, pour en, entamer la, la discussion. Hein un mot très, très connu, une, une, une phrase Oui. Oui, en venant, oui, on, on a échangé deux, deux, trois mots. Et je disais, euh, euh, lorsque j'étais jeune... Euh, pendant les périodes de 68, j'avais un ami que j'estimais beaucoup et qui me disait toujours, Alain, élection, piège à con. Et lorsque j'étais maire, que je préparais, disons, ces élections, et j'amenais les électeurs, disons, à, à exercer leur droit de vote, je, je me disais, est-ce que je ne participe pas à euh, élection, piège à con Je me posais forcément. Deux questions. Tu... Est-ce que je ne rendais pas un monde docile Est-ce que voilà. je n'ai pas pour. Est-ce que un tu monde ne participes pas à faire avaler la dragée ou à, voilà. à, à être un chausse-pied Voilà, être un chausse-pied. Tout à fait. L'image voilà. est belle. Hein. Voilà. Et donc, euh, voilà, c'est une vraie question. À, à quoi ça sert les élections Et là, euh, nous, en fait, euh, ce qu'il nous semble important à se dire d'abord, en préparant cette émission avec euh, Denis et Marie-Claude, on se disait que, euh, bah, justement, euh, ces, ces élections sont importantes. Importante. Il ne faut pas passer à côté parce que là, tout doucement, on est rentré dans une société qui se radicalise de plus en plus. Ça fait 40 ans que ça se radicalise. Ça fait 40 ans qu'on nous dit que c'est la dernière fois qu'on va pouvoir voter pour essayer d'empêcher de, que la catastrophe arrive. Et la catastrophe est là. Enfin, moi, il me semble que maintenant, c'est difficile de faire autrement que de constater qu'il y a une catastrophe écologique qui est en cours et qu'il y a une catastrophe sociale qui a déjà commencé aussi. Alors, on était sur élection, pierre et le fait qu'on était consommateur de ces élections, peut-être. Est-ce qu'on est, est consommateur des élections ou pas Oui, oui, bah c'est que par force, on va dire. Par moment, par force, parce qu'il faut bien que, se dire qu'il faut être représenté. Après, ce n'est pas un blanc-seing. Il faut, il, faut, il faut changer la donne. C'est, n'est pas un blanc -saint. Il ne faut pas dire on vote et puis après on ne s'en occupe plus. Il faut continuer et, et rester mobilisé et, pour faire avancer. Sinon, on le voit actuellement. Hein. Euh, on a voté pour un président qui, qui fait qu'à sa tête, qui fait son, son, petit, son petit truc dans son côté avec son, ses, ses hommes politiques qui sont à sa botte. Et l'Assemblée nationale est à sa vote. Donc voilà, il faut, il faut que les gens ils se, ils se disent, bon, on a voté, mais on continue euh, à être revendicatif et à être dans l'action. On a parlé du vote blanc aussi en disant que ben, euh, peut-être à un moment, montrer qu'on était protestataire, ça, ça pouvait être voter blanc, parce qu'on a l'impression un petit peu, alors ça c'est ce que disait Marie-Claude, peut-être elle va le redévelopper, que ben, en fait de toute façon, ils sont tous, tous d'accord. Oui, ben oui, on a l'impression. Enfin, les, les gens ont perdu leur confiance, la confiance parce qu'on a l'impression que quand on vote euh, euh, de gauche, de droite ou du centre ou de ce que vous voulez, de toute façon, c'est le même résultat. Euh, on a l'impression qu'on n'avance pas et que rien ne change. Donc les gens euh, n'ont plus envie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'abstention à cause de ça aussi. Donc, euh, bon, ben voilà. Euh, après, après euh, est-ce que, est que le boycott est une bonne idée Je sais pas. La preuve, la preuve en est que beaucoup ont boycotté pour l'élection euh, Macron et que, et que, et que bon, voilà, nous avons un Macron, quoi. <laughs> voilà, avec tout ce qui s'est passé depuis. Le, le, je rappelle que le, le maire d'Aubenas a été élu avec mille, mille voix sur 7000 votants. Hein, sur 7000 électeurs. Donc il euh, y a quand même un souci là, parce que si on commence à laisser effectivement euh, les gens, je ne suis pas en train de dire qu'il fait n'importe quoi, hein, mais je veux dire, euh, c'est plus tout à fait. Être élu avec 14% des voix, en gros, ça, ça veut dire ça. Hein, euh, là, il là, y a un problème. Et euh, tout doucement, on se dirige avec cette élection présidentielle sur quelque chose qui est de cet ordre là. Alors, là, c'est. Oui, c'est déjà de, de cet ordre-là, déjà depuis depuis quand même pas, pas mal de temps. Hein, oui, C'est-à-dire, oui. euh, je crois que nos dirigeants, euh, quels qu'ils soient, euh, même s'ils sont élus avec un pourcentage assez faible, du moment où ils sont élus et où ils mettent en place la politique qu'ils qui souhaitent hein, euh, ou à laquelle ils sont euh, destinés, <laughs> où ils se sont destinés. Bien, tout, tout, tout va bien, quoi. L'objectif, c'est pas d'apporter euh, un plus, disons, aux, aux individus, un plus dans notre société. L'objectif, c'est en fait de mettre en place leurs politiques et leurs désirs et leurs objectifs, qui sont souvent des objectifs capitalistes. Voilà, alors les objectifs depuis 40 ans, on, cette société néolibérale avec Thatcher, Reagan, alors c'est vrai que c'est une tarte à la crème, ce que je suis en train de dire, mais voilà, on est bien obligé de faire le constat. Euh, Mitterrand, euh, euh, un an avant d'être élu, nous expliquait que le capitalisme, il fallait être contre le capitalisme parce que c'était une catastrophe. Et deux ans après être élu, il euh, y a le virage de la rigueur. Euh, euh, il nous explique que le néolibéralisme, euh, bah, évidemment, il n'y a pas d'autre solution, etc. Et ça fait 40 ans qu'on nous les enfile. Les les uns après les autres, alors ça a été Mitterrand, ça a été Chirac, ça a été Sarkozy. Euh, alors, euh, Marie-Claude, tu disais qu'avec Sarkozy, on a franchi un cap, d'ailleurs. Et puis, euh, voilà, Hollande, Macron, ils sont tous en train de nous faire la même politique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de possible Parce que c'est cette politique-là qui nous amène cette crise sociale et écologique. Et c'est en cela, peut-être, que quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, disons, c'était intéressant, disons, de se pencher sur cette, cette phrase, élection euh, piège à con », Il prenait un exemple, peut-être que je peux expliquer rapidement, il prenait un exemple de, de personnes dans, dans une cité qui attendaient un bus. Hein. Euh, ces gens se regroupaient, le, ils étaient une cinquantaine ou une soixantaine de personnes à vouloir prendre ce bus, et le bus euh, n'avait euh, une capacité, disons, à peu près que de 20 ou 30 personnes. Quoi, hein. Donc il euh, y avait un problème, et ce problème était redondant, puisque tous les jours, il se, il, il se passait. Hein. Mais les gens étaient, euh, disons, euh, rassemblés, ils avaient l'objectif de rentrer chez eux. <laughs> De vivre, euh, disons, leur petite vie tranquille, euh, ils ne se parlaient pas, mais ils, ils attendaient simplement, c'était un rassemblement. Et puis un jour, euh, quelqu'un euh, dit Mais enfin, ça va durer longtemps, c'est pas possible, il faut. Il, 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 il prend la parole. Et les gens commencent à, à échanger. Et on passe donc du rassemblement au groupe. Et ça, c'est important parce qu'on hum, a, <coughs> a besoin, disons, de, de personnes. Euh, qui, qui échangent euh, de liens sociaux on a besoin de, de former des groupes euh, des groupes euh politiques, hein, euh, enfin, qui, qui sont politiques au sens euh, au sens noble de, du, du terme hein. c'est à dire la on, société. voilà faire fonctionner la société on peut se retrouver eh ben, moi je crois beaucoup au lieu par exemple les, les, les cafés hein, on, on va dans un café on, on va dans, un, dans une association euh, pas forcément des choses euh, qui sont policiées, mais on, on se rencontre on se rencontre et on échange hein. et puis après les choses peuvent s'institutionnaliser c'est à dire on peut ça peut être l'amical ça peut être le syndicat ça peut être l'association du, du Ouais. Et voilà. Donc euh, c'est vrai que si on vote et si on, on vote et on part et on délègue quelqu'un, ben, il se passe ce que tu viens de, de décrire, hein, c'est-à-dire une suite de présidents, euh, mais au fond une société qui se détériore, hein, qui n'apporte pas le bonheur à l'individu, hein, ou bien, euh, ou bien des, des, des gens qui qui votent mais qui s'engagent aussi. Et là il y aura une véritable lutte quotidienne social qui pourra être mise en place. Alors justement, ces élections présidentielles, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est récurrent évidemment dans la société française, qui, qui nous permet d'avoir... Pendant à peu près six mois, un débat d'idées réel. Parce que petit à petit, on est rentré dans une espèce de voie pensée unique. Hein. Alors, cette pensée unique, on l'a euh, dans, dans, dans tous les médias mainstream, hein, euh, mais pas à fréquence 7, où c'est euh, pas, pas pareil, hein, résolument pas pareil. Mais autrement, partout ailleurs, on entend exactement le même son de cloche. Mais. Euh, euh, en même temps, on n'est plus habitué à avoir justement une réflexion, parce que tu disais Marie-Claude, par exemple sur, euh, sur Facebook, bah, c'est la même chose. On, on, on rentre un ou deux mots-clés et on nous balance tout, tout voilà. ce qu'on en a plus, envie d'entendre. Et en plus, Facebook s'attache à vous envoyer que ce que vous aimez. Si voilà. vous avez été voir euh, des pulls pour acheter, euh, vous aurez des pulls pour acheter. Si vous avez été voir le dernier président, vous aurez de la politique sans arrêt. Donc bon, c'est avoir, euh, c'est avoir aussi. Euh, euh, on parle aussi dans, dans les médias, donc si vous êtes devant votre télé, ben c'est pareil, on vous en vous on vous bassine avec l'information idéale de la journée de l'AFP, de l'AFP, et, et donc vous avez que cette information et tout revient, l'AFP a raison quoi. Voilà, en fait. ça. Et, puis, et puis on monte les choses en épingle. Voilà. Les chansons montées en épingle. Chaque fois, on rebondit d'un fait divers à un autre, euh, plus ou moins grave, mais on rebondit et euh, changerait. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est jamais approfondi, c'est jamais. Euh, euh, c'est vrai, c'est pas approfondi du tout, même. Pas du tout. On reste sur le, sur le on dit, sur la les, petite les, 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 phrase, on coupe les phrases, que, euh, ça ne veut plus rien dire après, là, au bout. Mais on reste sur l'information euh, voilà, qui, qui, qui va attirer le monde, juste, juste pour attirer le monde, sans chercher si c'est vraiment vrai on nous occupe et en même temps on nous on, quelque part on nous habitue à quelque chose de grave parce que par exemple on a, pu dé... on a pu dénoncer la guerre de 40 avec le fait que les Allemands s'étaient trouvés un, un ennemi intérieur, les Juifs ou les communistes, puisqu'à l'époque oui. c'était ça. Hein. Mmh. Mais ma non, on, maintenant, avec un Zemmour qui est monté en épingle de façon complètement extravagante, parce que c'est un monsieur qui n'est pas un historien, hein. ce n'est pas un vrai historien, c'est pas vrai. Hein. Quand on a un vrai historien qui arrive et qui vous parle de Zemmour, il rigole, hein. il commence par rire. Donc voilà, euh, et, et ce monsieur est en train de nous faire, euh, de nous expliquer la société en nous expliquant que l'ennemi intérieur est là, c'est le musulman, c'est etc. Voilà. Mais, malheureusement, il n'y a pas que lui. Il voilà. n'y a, alors, pas, alors, que y a lui. pas que lui. Mais, mais... c'est mis. Mais énormément en avant par une chaîne, CNews, mais il n'y a pas que CNews, parce que BFM aussi, c'est-à-dire, tout doucement, nos chaînes de radio et de télé deviennent américanisées aussi. Hein. Oui, mais malheureusement, il n'y a pas que lui. Quand on voit Blanquer qui dit « l'islamo-gauchisme oui. » et quand bani ça, ça, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il faut avoir un mémoire un peu long, quand même. Le nazisme est monté sur, le, sur, sur une crise sociale très importante en Allemagne. Qui a, qui a perduré et qu'on a montré un ennemi, c'était le juif, c'était le, le communiste, et on sait comment ça finit. Donc il faut être vigilant et pas se laisser embarquer dans des, des, des propos comme ça et les dénoncer. Alors, euh, Marie-Claude, tout à l'heure, tu parlais de, de Sarkozy. C'est Sarkozy aussi qui a parlé des droits de l'homiste. Hein Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ça, ça a quand même 15 ans, plus de 15 ans d'histoire. C'est là que, à mon avis, il y a quelque chose qui, qui s'était passé. Alors tu disais, il n'y a, a pas que ça comme étape dans Sarkozy qui a ce... Coup... Ah ben, Sarkozy, Sarkozy euh, c'est le départ. Euh, en fait, euh, il a, quand, avec sa façon de parler, ces petites phrases assassines qu'il lançait aux gens, euh, je pense qu'on a passé un cap dans, dans l'évolution. Maintenant, je pense que les gens, que ceux qui nous parlent, ceux qui sont euh, face à nous, euh, ne se cachent plus et disent ce qu'ils pensent tout de go, comme ça leur vient. Et euh, je pense qu'il y a vraiment eu un, un cap de franchi dans la société. Ah bah, on l'a vu avec Macron. Hein. <laughs> Toutes les de phrases euh, oui, oui, traverser oui, oui. la rue et compagnie. Euh, quoi, oui. Alors lui, c'est le chapeau du chapeau. Euh, ça a euh, Voilà, il est tout à euh... On disait un peu qu'on était devenus euh, des spectateurs de la société. Et Alain, toi, tu parlais de l'accoutumance qu'on peut avoir quand on regarde ces chaînes et que les gens, petit à petit, sont accros à ça, peut-être Je pense, oui. Je, je pense que, malheureusement, y, y, moi pour moi, je pense qu'il y a trop d'informations, <coughs> pas forcément de la bonne information. Et cet excès d'information, disons, est, est affolant parce que on a moi je crois qu'on a un rythme, hein, comme la nature a un rythme, comme euh, la nuit et le jour ne sont, sont, pas, sont pas ensemble. Hein, euh, L'automne, c'est pas l'hiver, c'est pas l'été. Et je crois que l'homme a un rythme, il n'est pas là pour avaler, euh, disons, une quantité d'informations astronomiques. Hein. Il est là, disons, pour, pour vivre et pour comprendre les choses, avec son intelligence. Et je crois que tous les êtres sont intelligents, hein. les, les Noirs, les Blancs, les, les Arabes, les... Enfin tous. Hein. Euh, euh, et puis euh, voilà, on est dans une société qui doit être une société euh, pacifique, qui doit, qui doit aimer, aimer l'autre et, et qui doit le respecter pleinement dans, dans l'individu qu'il est. Euh... Surtout que ce surplus d'informations, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, par exemple, pour la Covid, toi, tu, toi qui ne regarde pas trop euh, ce, ce genre de chaîne, tu ne tu sais pas forcément, mais en fait, du matin au soir, on te dit la même information. Mais toutes les cinq minutes, on se dit Attention, attention, je vais vous dire quelque chose de nouveau, et parfois, on te redit la même chose. Quoi. Moi, j'ai été si, affolé un ah. jour, euh, je suis allé chez quelqu'un, il y avait BFM TV, c'est vrai que c est, c est, je trouve ça vraiment affolant. Quoi. Il y a à la fois le, 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 le journaliste qui vous fait une information, qui, qui donne son information, il y a en bas euh, un petit, euh, un petit, une petite bande euh, où il y a d'autres informations qui sont marquées. Je dis malheureusement, j'ai rien contre, mais il y a en plus euh, les malentendants euh, qui, qui font des, des, des gestes. Euh, et je dis pour le, pour le plus qui est dans votre chez vous un gamin qui, qui babille ou, ou le chien qui, ch qui chatte, mais il y a de quoi franchement devenir fou. Oh, pour moi, c'est pas le monde normal, c'est pas le monde vrai. On est à la limite de d'exploser, de la folie quoi. Et même, est-ce que c'est de l'information C'est oui, pas de la désinformation. Et alors tout ça, ça contribue effectivement à ce qu'on était en train de dire au départ, c'est-à-dire cette crise dans laquelle on est euh, écologique et sociale. Tout ça parce que on nous explique que la concurrence libre et, et non faussée va nous amener à un monde bien meilleur. Ben, on a qu'à le voir là, concurrence libre et non faussée. On a, on se retrouve avec le prix de l'énergie qui a été euh, mise en concurrence hein, et cette concurrence est-ce qu'elle nous amène une baisse des tarifs parce que c'est pour ça qu'on nous vendait le truc au départ hein, et bien non pas du ben, tout on le voit avec l'arem hein, voilà. l'arem d'edf edf, EDF ouais. qui est obligé de brader euh, à, en dessous du prix de revient de son électricité à des concurrents euh, cest le euh, edf est obligé de, de vendre à des concurrents l'électricité moins chère que, que, que son prix de revient est en de, au dessus et euh, pour que les concurrents puissent vivre. Euh, c'est voilà, aberrant. aberrant. Donc, euh, et, et ça fait monter les prix. Parce que tout, chaque fois que l'électricité monte, c'est pour que les concurrents puissent vivre. C'est n'est pas qu'EDF a des frais supplémentaires c'est uniquement pour que ses concurrents puissent faire du bénéfice et les actionnaires. Et là, euh, j'ai vu un article comme quoi euh, un TER entre Marseille et Nice allait être vendu au privé. Ça commence, les trains vont être vendus au privé. Alors qu'en Angleterre, ça s'est fait déjà et c'était une catastrophe. Mmh. Oui, L'État est obligé de renationaliser parce que c'était à la dérive complète. Mmh. Voilà. Alors donc concurrence libre et non faussée, hein, qui nous ont expliqué ce qui, ce qui amène à un dumping social, hein, c'est quelque chose dont tu parlais un petit peu Alain tout à l'heure quand on préparait, c'est-à-dire que à l'intérieur de cette Europe n'est pas une Europe apaisée. On aurait pu espérer qu'on ait une Europe apaisée. Les gens qui ont voté pour, à un moment, je, je suis sûr qu'ils ont voté parce qu'ils ont cru que ça, ça amènerait un monde plus apaisé, plus plus fraternel, plus euh, voilà. Alors qu'en fait, ça nous a mis la concurrence à nos portes complètement. Euh. Alors nous, on n'a pas la guerre, on a la chance de faire la guerre ailleurs, parce qu'en plus notre société exporte sa guerre, hein, en gros. Mais en plus, vis-à-vis euh, euh, -vis de nos voisins, c'est pas simple. En fait, on, moi je crois qu'on nous roule, hein. il n'y a pas du tout de concurrence, hein. c'est le même objectif. L'objectif, c'est, il est capitaliste, hein, il est néolibéraliste, euh, c'est faire euh, le plus grand profit possible. Hein. Et dans cette Europe, euh, on, devait on aurait dû créer une Europe sociale, une Europe de paix. C'est là, je pense, euh, ce que souhaite la plupart des gens. Hein. Alors, en fait, on nous a créé... Euh, une Europe qui se concurrence, euh, mais d'une manière complètement déloyale. C'est-à-dire, euh, par exemple, on va faire travailler le, le Polonais hein, euh, ou bien le, le, le jeune de, de République tchèque. Euh, pas, et on va le mettre en concurrence par rapport à un ouvrier français pour faire baisser, disons, euh, le, les revendications d'un euh, pays qui était plus en avance euh, sur un niveau, euh, niveau social, syndical. Ouais. Ouais. Alors, c'est ça que, qui fait que la petite musique d'un Zemmour passe, parce qu'effectivement, on sait qu'il y, y, y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence avec le travailleur étranger qui, peut, qui, 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 qui amène le fait que. On, on tire tout vers le bas. Et après, c'est instrumentalisé, c'est complètement... Euh, euh, L'information de départ est complètement truquée, on va dire, pour arriver à nous faire avaler que notre ennemi, c'est euh, voilà. l'affreux voisin qui est tromper Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Voilà, voilà. Il ne faut pas se tromper ouais. d'ennemi. Justement, l'industrie faut... est toute délocalisée dans les pays euh, de l'Est, hum. entre autres, ou en Espagne, euh, ou même dans les pays européens, et euh, on se retrouve avec en France de l'industrie moribonde, qui fait que ben oui l'emploi, il n'y a pas. On ne peut pas vivre du tourisme, on peut pas vivre deux mois d'année du tourisme en France, ce pas possible. En plus, avec la Covid, ça, ça a encore redonné, redistribué les cartes, ça fait que c'est encore pire qu'avant. Alors l'élection a, a été inversée euh, donc sous Jospin hein, euh, donc homme théoriquement de gauche mais alors on ne sait plus si on peut dire gauche ou goate go ou, ou droit gauche hein, on ne sait plus exactement ce qu'il faut, qu faut dire. Il y, a eu ah. un, il y a eu un livre qui est, qui est apparu déjà très longtemps, qui, était, qui avait été écrit par Garnier je crois et puis un, un, un autre co-auteur qui s'appelait euh, La Deuxième Droite. La Deuxième Droite <laughs> voilà ouais. et, et oui parce qu'on a, on a parlé de la Deuxième Gauche etc. donc donc, effectivement, on parlait de la deuxième droite, c'était adéquat. Alors, c'est vrai que ben, on élit maintenant en plus, il y a plus de contre-pouvoir parce qu'on se retrouve euh, alors en plus. La, la constitution de 58 est dévoyée, même, même ça, c'est-à-dire que déjà, à mon avis, la rencontre d'un homme et d'un peuple, enfin, c'est n'importe quoi. C est, c est, ça, ça devrait être la rencontre d'idées avec un peuple, quand même. Hein. C'est pas, pas la rencontre d'un bonhomme, quoi. Et ça, on, on nous vend ça à toutes les, à toutes les sauces, et donc on Élu. Une fois que le président a été élu, euh, on, on, on va faire les élections euh, euh, des députés. Donc en fait, ils vont être complètement à la botte du président et, et c'est terminé. On n'a absolument plus d'espace démocratique. Il ne peut plus y avoir, là, comme quand c'était Chirac, l'alternance. Tandis que les députés, c'est 5 ans, le président, c'est 5 ans. Et ils, ils, se, ils se suivent. Donc euh, il n'y a plus d'alternance. Il n'y a plus de, aucun risque d'avoir un contre-pouvoir. Comme on a eu sous, sous Chirac ou sous Mitterrand. Voilà, Sou, Souvenez-vous, on avait quoi. un président de gauche, et enfin ouais. de gauche. On avait un président, de disons, on va dire, de gauche, entre parenthèses, et. Et un premier ministre de droite, c'est fini avec le, ce système-là de, de de septennat qui passait en quinquennat. Euh, on ne peut plus l'avoir. Souvenez-vous de Chirac qui qui qui, qui, euh, qui défait la l'Assemblée la, générale, euh, l'Assemblée nationale, pardon. Et, et donc évidemment, il y, y, y a tout le monde qui se dit mais attends qu'est-ce qu'il est qu en train de faire parce qu'il croyait que ça serait il aurait un mouvement pour lui euh, juste derrière et en fait il s'est retrouvé en cohabitation avec Jospin. Hein. C'est oui. ça qui se passe. Euh, voilà tout ça c'est Grâce à Villepin, hein. c'était Villepin le conseiller de Chirac à l'époque. Pour ah, ceux est, qui ouais, se ouais, souviennent. Mais Milpin, oui, mais il a l'origine. Il ouais, il il hein. C'est lui c'est lui qui a vendu les autoroutes. <laughs> Villepin, c'est lui qui a vendu les autoroutes. Donc, ouais. Ouais, ouais. Il, a, il a le sens de, de la, des affaires. <laughs> voilà, mais oui, et on se retrouve de, de fait. Avec tous les services publics qui ont été vendus, entre autres, là tu parles des autoroutes, mais voilà, euh, quand même, euh, ça va loin. Euh, le gaz, l'électricité et tout. Et maintenant, tout doucement, c'est l'école. On voit bien qu'ils sont en train de casser l'école. Hein. Comme l'hôpital. Comme l'hôpital. Et donc, l'hôpital, c'est dramatique. 20% de lits en moins. Parce que, alors, soi-disant, c'est la faute. En plus, maintenant, ils vont dire que c'est la faute aux, aux, aux gens qui travaillent. Hein euh, ils, ils, travaillent sont, ils sont capables de dire ça, quoi. C'est un, go un gouvernement. Macron, c'est vraiment une merde. Enfin, excusez-moi, mais. De, il, de, de il, A jusqu'à Z. Ils le il ferment les lits parce que les soignants n'ont pas voulu se faire vacciner. Voilà. C'est la faute aux soignants. Alors, je, et, crois et... Que, je crois que l'objectif, c'est d'avoir un état régalien, hein, c'est-à-dire euh, qui s'occupe de, de l'ordre, hein, ouais. puisque l'ordre les maintient. Ouais. Hein, ouais. Donc, des, à la fois euh, des, des gendarmes, des, de la police nationale, euh, et puis des militaires. Hein, euh, bien sûr. Les administrations financières, s'il faut bien collecter l'impôt, oui, question ça. de l'abandonner. Et puis voilà, et puis la justice pour museler est terminée. Mais ça n'intéresse pas la santé. On va aller, malheureusement, on se rend compte, s'il n'y a pas une réaction du peuple, on va vers un hôpital privé, on va vers une école privée, oui, uniquement. C'est-à-dire, l'État ne veut plus remplir ces, ces choses-là. Et bientôt, plus de sécurité sociale, à des mutuelles à la place, etc. Alors on va me dire, oh mais t'es complotiste, t'es en train de... Non, euh, attends, euh, tout doucement, là, regardez les chiffres. Hein. Depuis, depuis euh, 30 ans, tout doucement, on, on déshabille, on déshabille, on déshabille, on rembourse plus euh, certains médicaments, etc. Hein, bah la, la sécurité sociale, il faut le rappeler, c'est quand même, ça a été créé par un communiste, hein, Ambroise Croizat, euh, c'est le Conseil national de la résistance, c'est sorti en 1947. Hein. Euh, c est, c est pas D'ailleurs, euh, la, la, la droite a, a osé, disons, ne jamais dire quasiment le nom d'Ambroise Croisa. Oui, hein, oui, tout Parce qu'il était communiste. Oui, oui, on a oublié son nom. On a oublié et, son nom. Et, et donc, euh, il nous reste quelques secondes pour parler du fait qu'il faut absolument que les gens aillent voter. Ou alors, on fait la révolution. Où on fait la révolution, donc on va dans la rue et on là voilà. On où où on, on va voter pour arrêter ça. Alors est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de candidats qui sont contre ce monde libéral Il y en a. Cherchez-les. Moi, j'ai pas envie de dire ces machins, ces trucs, ces bidules. Je suis pas forcément d'accord avec machin, truc et bidule, mais par contre, il y a certains candidats quand même qui offrent le fait que peut-être on pourrait passer à autre chose que cette République. Franchement, qui qui ne fonctionne plus du tout. Allez vo voter. Une autre voix. Alors, alors une autre voie. Donc, si vous voulez vous inscrire pour voter, parce que vous n'avez vous pas euh, voté, pas inscrit, ou vous avez déménagé, ou vous avez 18 ans de, entre deux élections, il en Donc, il faut. Alors, c'est. Il faut s'inscrire avant le 6 sixième vendredi précédant l'élection présidentielle. Et pour ceux qui pour le de déménagement ou qui ont eu 18 ans entre deux élections. Ils ont jusqu'au dixième jour avant les élections présidentielles. Donc, Donc euh, c est, c est il y a toujours moyen de s'inscrire. Le dixième vendredi, ça, ça amène au 4 mars, c'est ça, non oui, oui, par là, oui. Oui, oui. Le 4 mars 2022, oui. oui. Donc euh, ceux qui veulent s'inscrire, ils ont la possibilité jusqu'au 4 mars 2022 de s'inscrire dans la mairie là, de, là où ils habitent. Alors Et vous pour ceux qui ont déménagé, ils ont dix jours ouais. là. Je, je, moi, j'ai pas l'habitude de dire allez voter, mais euh, franchement, là, je crois que euh, c'est un si peu, si peu le dernier carat. Hein. — Si on ne vote pas, c'est peut-être qu'on est, peut qu est d'accord. Oui. Ou, ou alors, au pire, qu'on est indifférent. Moi, ouais. je pense ça. Et là, la société, elle se délite. Là, là, là alors on a souvent dit c'est le dernier, c'est le dernier moment, mais là, il faut y aller. Là, hein. il faut, faut qu'on arrête ça. quoi. Faut arrêter euh, parce que Macron, Le Pen, ils sont tous d'accord hein, pour, pour le libéralisme. Hein. Il faut, y aller. il faut y aller. Et il faut se, se politiser aussi, euh, disons, euh, avoir des, des idées et, et se regrouper, échanger, lutter. C'est la lutte. Elle sera toujours là. Merci Alain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.